Bienvenue au laboratoire de l'agriculture selon les principes de Dieu. Il est vraiment surprenant de voir comment une technique simple comme l'agriculture selon les principes de Dieu est efficace et permet de si bons résultats. En suivant au plus près les secrets que notre Père Céleste nous a révélés, nous moissonnerons de manière évidente les récompenses de ces voies. Notre technologie se fonde sur trois principes. 1. Ne pas labourer. 2. Ne pas brûler ni incorporer des rotations. Comprendre exactement pourquoi les voies de Dieu sont si efficaces est la raison pour laquelle cette session est appelée 20 raisons de faire ainsi. L'homme a labouré depuis des siècles, les premières charrues étant même rapportées dans la Bible. On y voit Élisée, Amos et d'autres labourer le sol. Alors, pourquoi nous préconisons de ne pas le faire? Même Jésus a fait mention de la charrue dans ses enseignements. Le fait que Jésus a utilisé la symbolique du laboureur ne signifie pas qu'il approuve la pratique. Au temps biblique, on labourait avec la pointe des dents très légère, d'une sorte de lance, ce qui n'inversait pas le sol, mais ameublisait la terre superficiellement pour permettre de semer. Labourer ou retourner la terre telle que l'on fait à l'époque moderne s'est révélé être destructif, pas économique et dommageable pour l'environnement. La première tragédie du labour s'est jouée dans les grandes plaines américaines dans les années 1930, après que les effets dévastateurs du labour ont provoqué ce qu'on appelle le Dust Bowl, bassin de poussière. Les agriculteurs avaient décidé de pratiquer un herçage très intensif des couches supérieures de leur terre pour créer une sorte de mulch, poudre, pour protéger l'humidité au cours de la saison sèche. Mais ils n'avaient en rien prévu la violence de l'érosion due au vent qui allait se produire. La terre s'est envolée et déversée sur toutes les États-Unis. Dans certaines localités, des maisons, des routes et des véhicules ont été littéralement enterrés. Des centaines de milliers de familles agricultrices se sont trouvées contraintes à quitter les grandes plaines en raison de l'effondrement économique de toute la région. Entre 1954 et 1960, un second Dust Bowl dévasteur a atteint la Russie. En raison du labour des prairies périphériques, une zone plus grande que les grandes cultures de blé du Canada et de l'Australie réunies. En janvier 2005, une tempête de poussière sur l'Afrique centrale a été enregistrée. Visible sur les images satellites, elle s'étendait sur plus de 5300 km. Ces exemples dramatiques de l'érosion due au vent sont très visibles, mais nous devons réaliser que nos mauvaises habitudes de labourer provoquent de l'érosion qui se voit beaucoup moins, mais fait plus de dégâts. Notre terre finit dans les rivières, les bassins versants et les océans. Terre arable de l'Afrique méridionale perd entre 55 et 250 tonnes ou 1000 sacs de terre par hectare par année à cause de l'érosion de surface. Puisque le labour est une folie, l'agriculture mondiale s'en détourne. Plus de 100 millions d'hectares dans le monde sont actuellement exploités à des fins commerciales sans labour. Le non-labour a pris tant d'importance en Amérique du Sud qu'on y cultive entre 60 et 85% de la terre ainsi. Aux USA, le non-labour est passé de 4 à 22% de toutes les surfaces arables en 20 ans, avec 25,3 millions d'hectares actuellement cultivés sans labour. En 2006, le président de la FAO, la branche de l'ONU en charge de l'agriculture, a recommandé le non-labour comme méthode préférée dans l'agriculture. Malheureusement, en Afrique, le non-labour concerne jusqu'à présent moins d'un million d'hectares. Au niveau de la technologie, l'APD ne propose pas seulement de ne pas labourer, mais de couvrir le sol à 100% avec ce qu'on appelle la couverture de Dieu. Cette couverture de Dieu est comme l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16 dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Bien que Jésus ait été envoyé pour sauver le monde, la plupart des gens l'ont rejeté et continuent à le rejeter aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie, mais seulement pour ceux qui le reçoivent et croient en son nom. Accepter l'amour de Jésus ne résout pas tout immédiatement.
C'est le début d'un cheminement de guérison de nos cœurs. Et alors que nous marchons fidèlement avec lui, son amour crée le parfait environnement pour que son œuvre soit complétée en nous. La couverture de Dieu a le potentiel de révéler l'abondance que Dieu promet dans nos champs. Mais la plupart des agriculteurs, sans cette connaissance, rejettent ce don merveilleux en le brûlant ou en l'enterrant. Pour ceux qui l'estiment à sa juste valeur, la couverture de Dieu devient une vraie bénédiction et offre l'environnement idéal à la guérison de la terre. Les rotations sont cruciales pour garder la terre et des cultures saines. Pourtant, le faire comprendre aux agriculteurs est un défi énorme, car ils continuent à pratiquer la monoculture. Nous prenons que toute parcelle soit divisée en trois parties qui feront pousser chacune, tous les trois ans, une culture de rotation. Les détails de la mise en pratique des rotations ont été abordés dans le chapitre sur les jardins bien arrosés. Nous allons comparer et opposer l'agriculture conventionnelle et l'agriculture selon les principes de Dieu en détail pour démontrer la folie de l'homme s'appuyant sur sa compréhension par opposition à s'humilier pour suivre les voies de Dieu. 20 raisons de faire ainsi. Considérons une expérience qui montre les effets de la couverture de Dieu sur le taux de ruissellement et d'érosion. Chacun de ces plateaux de ruissellement est à 15 degrés. La différence entre eux, ceci est un champ normal, labouré, et ceci, même sol, labouré, mais couvert par la couverture de Dieu. Nous utilisons les mêmes volumes d'eau dans cette expérience. Vous pouvez voir clairement comment le ruissellement dans un champ typique labouré est très élevé. À mesure que l'eau accélère en descendant la pente, elle érode le sol en premier lieu et ensuite forme des sillons et enfin des ravines. Regardez la quantité de sol au fond de ce verre. C'est la folie de labourer. Dans l'essai de l'APD, même que nous avons utilisé la même terre labourée, à la même pente, celle-ci était couverte de la couverture de Dieu et vous pouvez voir que le ruissellement est significativement moins que dans cet exemple et en conséquence que l'érosion du sol est minimale. C'est ça la voie de Dieu. Les essais avec de la pluie effectués à Sedera, en Afrique du Sud, où 68 mm sont tombés sur une pente à 4%, montre qu'après une heure de pluie sur une terre travaillée conventionnellement, 90% de l'eau était partie en ruissellement
entraîna avec elle 28,5 tonnes de terre érodée par hectare. Là où la terre n'était pas labourée et la surface couverte de paillis à 80%, seuls 6% de l'eau de pluie était partie en ruissellement avec une seule tonne de terre par hectare. Ce sont des données incroyables. Elles devraient toutes seules souffrir à convaincre les agriculteurs de se tourner vers la voie que Dieu nous a montrée. Quel est le facteur le plus limitant pour le rendement en Afrique? La pluie. Et cependant, nous rejetons ce cadeau que Dieu nous a donné en perdant 90% de la pluie que nous recevons. Quelle est notre ressource la plus précieuse à transmettre aux générations futures d'agriculteurs? Notre terre. Et néanmoins, nous rejetons ce cadeau que Dieu nous donne. Les scientifiques conservateurs spécialistes du sol suggèrent que la perte moyenne de terre en Afrique s'élève à 55 tonnes par hectare par année. Mais il a été prouvé qu'à certains endroits cultivés conventionnellement, ce chiffre s'élève à 250 tonnes par hectare. C'est de l'infidélité envers les talents que Dieu nous a confiés. Nous devons nous tourner vers la voie de Dieu. Pourquoi perdons-nous donc tant d'eau par ruissellement quand la terre est labourée? Les gouttes de pluie tombent à grande vitesse et comme autant de petits marteaux frappant la surface du sol nu. Leur impact provoque une couche de compactage que l'on appelle croûte battante. Elle se rassemble à la croûte pain. Voyons l'exemple de l'effet de la pluie sur une miche de pain. En versant 250 ml d'eau sur une miche de pain qui a une croûte, on récupère 200 ml d'eau. Cela est dû au fait que la croûte rend le pain imperméable et elle empêche donc l'eau de pénétrer. C'est exactement ce qui se passe quand on laboure. Les premières gouttes de pluie créent une croûte qui ne laisse pénétrer dans le sol que 10% de la pluie et gaspille le reste. Quand nous versons 250 ml d'eau sur une surface sans croûte, nous ne récupérons que 50 ml d'eau. Couverture de Dieu protège la terre du martèlement de la goutte de pluie en absorbant l'impact comme un amortisseur. Lorsque l'énergie cinétique des gouttes de pluie est dispersée, l'eau coule doucement jusqu'à la surface du sol, au travers de la couverture, et comme il n'y a pas de croûte, elle est vite absorbée. Une fois que l'eau atteint la terre non labourée, elle infiltre rapidement grâce aux canaux creusés par les insectes, les vers de terre et racines, tout comme dans une éponge. De cette manière, nous acceptons le cadeau de Dieu et très peu d'eau est gaspillée. Ainsi, le taux d'infiltration de 94% démontré lors de l'expérience de Cedera est dû à la présence de la couverture de Dieu et le sol qui ressemble à l'éponge par manque de labour.
Après avoir laissé les deux plateaux de terre au soleil pendant 5 heures aujourd'hui, comparons les pertes par évaporation. Le 10 % d'eau qui s'infiltre dans une terre labourée est exposée à des températures de surface très élevées étant au soleil. Et ça provoque les pertes significatives d'humidité par évaporation. J'ai mesuré des températures de surface du sol dépassant les 65 degrés. Donc, vous pouvez imaginer l'évaporation qui se produit sous cette chaleur extrême. Avec l'agriculture selon le principe de Dieu, nous visons la couverture de surface à 100 % en permanence. Ce qui garde la surface du sol à l'ombre et la garde humide et fraîche. Ça réduit significativement l'évaporation du sol et c'est l'une des clés des histoires de succès de l'APD, même en cas de sécheresse. Au départ, une température basse du sol peut être négative puisqu'elle ralentit la germination et la première croissance, quand on compare à ce qui se passe dans un sol labouré. Mais rappelez-vous que le cycle de culture est de 5 mois, pas de 2 semaines. Donc, engagez-vous en faveur des impacts à long terme. Une fois que les plantes sont bien en place et ont poussé au travers de la couverture, elles prospèrent et dépassent celles des champs voisins en 3 semaines après leur émergence, puisqu'elles ont les températures idéales pour établir leurs racines. La plupart des agriculteurs attendent la première pluie pour labourer. Après le premier labour, ils doivent à nouveau attendre, puisque le sol se dessèche très vite à cause de la mauvaise infiltration et des pertes par l'évaporation. Après avoir reçu assez d'eau pour semer, ils doivent de nouveau attendre au moins 2 à 4 jours pour que les ouvriers ou les tracteurs puissent entrer dans les champs sans en faire un bourbier. Cet exercice est coûteux et gaspilleur. Quand nous tournons vers l'agriculture selon les principes de Dieu, nous préparons nos champs pour le semail en creusant les trous bien avant les premières pluies, pour ne rien perdre des précieux cadeaux de Dieu. Après les pluies, nous pouvons entrer dans nos champs presque immédiatement sans problème, parce que la terre n'est pas perturbée et a gardé sa structure. Donc, nous gardons notre première pluie et nous sèmons beaucoup plus vite après qu'assez de pluie est tombée. Les mauvaises herbes sont un facteur majeur de perte dans les cultures puisqu'elles entrent tout le temps en compétition avec elles pour l'eau, la lumière, les nutriments et l'espace. Nous avons vu cette saison combien une couverture à 100% supprimait la croissance des mauvaises herbes dans nos sites d'APD. Les volontaires qui continuaient à travailler à leur couverture de Dieu sur leur site n'ont fait que 2 désherbages avant la couverture des lignes et 1 après la récolte. Ces désherbages étaient légers et rapides. L'un des volontaires était très occupé par ailleurs et ne pouvait pas fournir la gestion nécessaire à sa culture et il n'a pas disposé assez de couverture. Il en est résulté que les mauvaises herbes sont devenues très difficiles à maîtriser. Ces récoltes en ont grandement souffert à cause du manque d'eau et de nutriments qui avaient été volés par les mauvaises herbes. Il a désherbé 3 fois avant la couverture des lignes, ce qui lui a pris le double du temps et un travail pénible. Donc, ne pas labourer et couvrir 100% de la surface aide de manière très importante à réduire la croissance des mauvaises herbes. Les 2 ou 3 premières années, les avantages, grâce à la conservation de l'eau en particulier, sont surtout économiques et portés sur le rendement. Mais par la suite, les avantages importants de l'APD sont dus aux changements qui prennent place dans le sol, en lui rendant sa structure meuble et friable originelle. La structure meuble et friable améliore beaucoup l'effet éponge de la terre, sa capacité à retenir l'eau. Pour cette expérience, j'ai pris 2 éponges identiques. Je vais moudre une éponge finement pour représenter un sol labouré et garder l'autre intacte pour représenter le sol non labouré. Thank you.
Voyons combien l'éponge du sol labouré tiendra. Juste 175 ml. Plongeant l'éponge du sol non labouré dans l'eau montre qu'elle tienne 525 ml. Par rapport aux 175 ml labourés, c'est presque trois fois le volume. Cela démontre simplement qu'une terre qui a la structure d'une éponge non labourée retient bien mieux l'eau, ce qui résulte en de meilleurs rendements. Les effets miraculeux de la couverture de Dieu pour prévenir l'érosion ont déjà été expliqués. Mais un autre facteur, et comment la terre labourée est bien plus susceptible de s'éroder que la terre non labourée. J'ai récemment ri avec un Ougandais qui me disait, « Je comprends maintenant pourquoi nous faisons pousser des cailloux dans nos champs. C'est parce que notre terre était délavée chaque année. » Les mêmes éponges nous montrent ce fait très facilement. Nous avons besoin de notre auditeur indépendant, Sean Goodall. Veuillez venir vérifier ces expériences. Venez un peu plus près. Ah, c'est drôle. Et maintenant, pour le sol non labouré. Vous voyez pas de perturbation du sol du tout. Quand on brûle la couverture de Dieu, on perd dans l'atmosphère la plupart des précieux nutriments qui se trouvent dans les résidus des cultures. Quand on les laboure, on les perd aussi, parce que les bactéries digèrent les fibres de la plante et libèrent les nutriments. Mais la matière organique s'oxyde si vite qu'elle n'a pas d'effet sur la fertilité du sol à long terme. Les principaux scientifiques spécialistes de sol disent que lors des premières années de labour, on diminue par deux le niveau de carbone organique dans la terre chaque année qu'on laboure. Et ainsi, il faut des années pour reconstruire une terre appauvrie.
Alors que si nous accumulons la couverture de Dieu, elle se décompose graduellement au fil des années, grâce aux insectes et à l'activité microbienne. Cela compte pour beaucoup dans le retour des nutriments dans la terre. Dans sa sagesse, Dieu a placé le paillis à la surface du sol, où il se décompose en humus foncé, puis en matière organique. Elle retient beaucoup d'eau et augmente considérablement la capacité d'échange cationique du sol, de sorte que la terre retient des éléments nutritifs et la conserve dans les zones des racines, au lieu de laisser se perdre par le sivage. La fertilité du sol est aussi améliorée grâce aux rotations des cultures céréalières et des légumineuses comme des haricots, les soja, les arachides et d'autres cultures qui fixent l'azote. L'azote sera disponible pour la culture de l'année suivante. L'amélioration des rendements après la rotation est assez importante et fait partie du plan de Dieu pour réduire les exigences en entrant puisque la fertilité du sol s'améliore grâce à une bonne gestion. En plus de l'effet négatif de la formation d'une croûte, que nous avons déjà expliqué, une terre exposée au labour est aussi susceptible de s'affaisser là où tout le profil s'affaisse avec le temps quand la structure et les poches d'air sont pulvérisées et le sol devient plus compacté. Les agriculteurs pratiquant la PD et qui ne labourent pas racontent avec joie que le sol de leur champ semble spongieux sous leurs pieds quand ils y marchent. Allons chercher des mottes de terre pour l'expérience suivante. Je vais aller dans ce champ d'un fermier fameux pour son labour très profond. Nous prenons une motte de terre de son champ. Ah! Regardez ces mottes terribles! Amenons-en quelques-unes au laboratoire. Nous sommes maintenant à Westgate, Harare, poste de l'agriculture selon les principes de Dieu. Nous allons prendre un échantillon du champ du jardin bien arrosé ici. Wow! Regardez la taille de ces épis et ce beau jardin bien arrosé. Ce jardin bien arrosé n'a pas été labouré depuis 7 ans. Prenons un échantillon d'ici et comparez-le au champ labouré. OK, nous avons notre motte du sol labouré et nous avons la motte du sol non labouré. C'est impressionnant de voir les différences. Nous allons maintenant plonger les deux mottes dans l'eau. Si nous plaçons la motte du champ labouré dans le verre, nous constatons un effondrement immédiat de la surface extérieure et l'effondrement total avec le temps. La motte du champ non labouré reste très stable dans l'eau et ne s'affaisse pas, puisqu'elle est tenue par des racines, de la matière organique, des substances adhésives des insectes et des filaments fongiques. C'est ce qu'on appelle un agrégat stable dans l'eau, et il démontre clairement combien le sol soigné selon l'APD est plus stable et résistant à l'érosion. Le labour régulier provoque la formation d'une couche de compactage dur à 20 à 30 cm sous la surface du sol. On appelle ça la semelle de labour, en raison du poids et de l'action mécanique des instruments de labour. Elle peut être si dure qu'aucune racine ne peut la traverser, ce qui limite même une magnifique terre de 10 mètres de profondeur à seulement 30 cm au fil des ans. Cette couche dure doit être brisée pour que les récoltes soient bonnes.
La terre cultivée, selon l'APD, augmente son volume avec le temps et comporte de nombreux canaux de racines et trous d'insectes qui permettent aux racines des cultures suivantes de descendre rapidement au travers du profil du sol sans obstacle. L'effet éponge, dû à l'absence de labour, aux galeries des insectes et aux canaux de racines en décomposition, joue un rôle important pour garder de l'air emprisonné dans les canaux, qui permettront aux racines de respirer même dans des conditions de saturation en eau. Vous voyez dans le sol labouré, il n'y a pas de bulles d'air. Il n'y a rien qui monte. Tandis que, si vous regardez bien, vous verrez des bulles d'air montant quand je tape ici. La terre est bien plus que de la poussière et les recherches les plus récentes en pédologie, la science du sol, ont mieux compris les bénéfices qu'apportent les créatures de Dieu au sol qui est le milieu de croissance. Même quand j'étudiais l'agriculture en 1990, la valeur de la microbiologie du sol n'était pas bien comprise ni enseignée. Il existe deux types de microbes dans le sol, à savoir les aérobies qui ont besoin d'oxygène pour respirer et les anaérobies qui respirent du dioxyde de carbone. Dans sa grande sagesse, l'homme retourne le sol en le labourant. Les organismes aérobies se retrouvent dans un environnement anaérobie et les organismes anaérobies arrivent à la surface dans un milieu aérobie. Et oui, vous le devinez, tous meurent et la terre reste sans vie. Dieu a créé chaque organisme pour un but précis que l'homme déséquilibre. Une terre pleine de vie est une terre en bonne santé. Nous devons garder et gérer le jardin et toutes les créatures pour permettre au sol d'être fertile et de produire de belles récoltes. Quand nous ne brûlons pas la couverture, nous créons un environnement idéal, frais et humide, pour une quantité d'organismes. Quand nous renonçons à labourer, nous permettons à ces organismes d'être à notre service. Les insectes et les vers deviennent nos petits laboureurs. Ils gardent notre terre creusée de petits canaux et permettent une bonne infiltration de l'eau et une bonne aération. D'autres fertilisent pour nous en déposant la matière organique exactement aux racines. D'autres encore décomposent la matière organique pour en rendre les nutriments plus facilement disponibles pour les plantes. Tous font partie du plan souverain de Dieu pour vivre une vie en abondance. Beaucoup d'agriculteurs ont peur des ravageurs et des maladies en passant de l'APD en raison de toute la vie bactérienne. Mais il a été prouvé que c'est le contraire qui se passe. Les plantes qui sont stressées par manque d'eau et de nutriments envoient des ondes lumineuses qui attirent les ravageurs, ce qui encourage les infestations et les maladies. Nos corps fonctionnent de la même manière. Nous sommes plus inclins à tomber malades quand nous sommes stressés. Donc, la première défense contre les calamités est une plante saine et non stressée. Deuxièmement, le meilleur remède à long terme contre les insectes nuisibles est en fait d'autres insectes qui en sont les prédateurs. Donc, l'écosystème équilibré du sol est ainsi l'environnement le plus sûr pour prévenir les maladies. Par exemple, les nématodes des racines sont problématiques dans le sol, mais moins de 30 sur 100 espèces de nématodes mangent les racines. Labourer facilite la dominance des nématodes problématiques, alors que le non-labour les tient sous contrôle en laissant le champ libre à leurs nombreux prédateurs naturels. La monoculture encourage l'augmentation des parasites et des maladies. La rotation des cultures interrompt le cycle de vie des parasites et des maladies et réduit ainsi clairement les pertes de rendement dues à leur action néfaste. Les avantages économiques de l'APD sont tout aussi importants et devraient suffire en eux seuls à provoquer un changement en défaveur du labour et du brûlis. En agriculture mécanisée et commerciale, les agriculteurs labourent profondément, en retournant ainsi la terre. Ensuite, ils doivent passer la herse au moins deux fois, parfois trois, pour briser les lourdes mottes qu'ils ont créées. Tout cela est fait avant les semailles. Il a été démontré que les exploitants commerciaux dépassent trois fois les montants en carburant, essence, soc, maintenance et réparation des machines par rapport à une technique sans labour. Trois fois!
Imaginez comment cela impacte les profits. Les exploitants à petite échelle passent jusqu'à 10 semaines à labourer et à préparer leurs trous, alors que ceux qui utilisent l'APD en consacrent 6 semaines pour que leurs trous soient prêts à être semés. Le temps est une ressource à ne pas gâcher. Chaque année, des millions de sacs d'engrais se perdent dans les bassins versants à cause du ruissellement, du lessivage, du sol et de l'érosion. Ces pertes se chiffrent en milliards de dollars gaspillés chaque année. Dans les bassins versants, ces engrais gaspillés provoquent des désastres environnementaux dans les barrages et les rivières. L'engrais est très coûteux et nous devrions l'utiliser avec sagesse, le répandre avec précision et le conserver dans les zones de racines. L'APD accomplit tous ses objectifs très efficacement. La tolérance de la terre à la sécheresse dépend de trois facteurs. Le pourcentage de couverture de Dieu au sol, la structure meuble et friable du sol, la quantité d'organismes vivants présents dans le sol. Cette année, nous avons eu une sécheresse terrible. Nous n'avions pas de pluie de décembre jusqu'au moment de la récolte. Mais je rends grâce à Dieu que par l'APD, j'ai pu récolter 20 sacs de 50 kg de mon champ. Malheureusement, mon voisin le plus proche, qui n'a pas tourné vers l'APD, n'a reçu qu'un sac et demi de la même superficie. La perte sèche des cultures d'une année a des conséquences économiques importantes et peut conduire une famille à mourir de faim. Prenez donc les précautions nécessaires puisque les sécheresses et les pluies insuffisantes viendront. Ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier tient du bon sens économique. La pratique de la rotation 1 sur 3 aide à diminuer le risque d'une perte totale de la récolte en cas de désastre comme une sécheresse ou une invasion régionale d'insectes nuisibles. On peut réduire par beaucoup le nombre d'irrigations d'une culture en conservant l'eau, grâce à l'absence de labour et la présence d'une couverture de la surface. Une couverture à 100% permettrait d'économiser 4 arrosages par rapport à aucune couverture. L'irrigation est coûteuse et 4 arrosages en moins peuvent faire la différence entre perte et profit. Le facteur le plus important à considérer est la culture elle-même. Les cultures qui poussent dans des champs labourés et brûlés peinent à trouver des éléments nutritifs et de l'eau et sont régulièrement stressées. Ces stress les poussent à grandir de manière inefficace en envoyant les racines plus profondément dans le sol. Et maintenant, trop d'énergie de croissance sous la surface du sol et pas assez au-dessus. Nous ne récoltons pas sous la terre, mais au-dessus. L'APD fournit l'environnement idéal pour que les cultures s'épanouissent, en limitant le stress et par conséquent des récoltes améliorées. Les racines poussent directement sous la couverture, en ayant accès à la haute fertilité de la décomposition de la couverture et profitant de l'humidité disponible aux couches supérieures du sol. Prenez l'augmentation de Dixon par rapport à son père à moins de 3 sacs, à 5 sacs, à 45 sacs, à 54 sacs, à 69 sacs, ou celle de Joseph qui s'est passé de 7 à 70 sacs, ou celle de George qui a vu ses rendements multipliés par 9. On dit « de voir, c'est de croire ». Mais avant qu'on termine, faisons un résumé des 20 avantages. 1. Ruissellement réduit. 2. Érosion réduite. 3. Infiltration améliorée. 4. Évaporation réduite. 5. La température du surface du sol plus fraîche. 6. La première pluie pas perdue. 7. Contrôle de mauvaises herbes amélioré. 8. Amélioration de la capacité de rétention d'eau. 9. Amélioration de la fertilité. 10. Fixation de l'azote par rotation avec légumineuse. 11. Tassement réduit. 12.
meilleure aération. 13. Amélioration de la microbiologie. 14. Résistance contre ravageurs et maladies. 15. Coût et temps de préparation réduit. 16. Perte d'engrais réduite. 17. Diminution des risques. 18. Réduction des coûts d'irrigation. 19. Amélioration des récoltes. 20. Meilleur rendement des cultures. Regardez ces deux images prises en Ouganda. Ils ont tous les deux eu la même graine et ils ont été plantés en même temps. Quelle différence incroyable! L'un, c'est l'agriculture conventionnelle et l'autre, l'agriculture selon les principes de Dieu. Cette image du champ de Duncan Jairos à côté du champ de ses voisins cultivés traditionnellement montre les avantages dramatiques de se tourner vers l'APD. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute, et des yeux pour voir, voie. Vous êtes maintenant sans excuses.